pas beaucoup de temps parce que mon oncle doit m'appeler après. Bah, qu'on parle, voilà. Et ce que je propose, c'est qu'on démarre tout de suite l'intro et qu'on passe au gameplay. Bah, voilà. Allez, intro, let's go. I know she like it fluid, I'm on fire like Aladdin. On a pussy cold, I'm piercing. Why she did it, girl, she lied it. What we do, it's always great. If you ask me, I know nothing. She just jumping on my dick. I know she like it, girl, she lied it. Yo tout le monde, comment ça va? C'est Jargos. Alors aujourd'hui, nouveau gameplay de NFS Soir. Bon, on va pas démarrer un tronc de musique, voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce que je te propose, c'est qu'on démarre tout de suite, parce que voilà. Je dois appeler mon nom tout à l'heure. Pas un tronc de musique, voilà, je suis désolé. Je suis débordé entre le gameplay, entre les courses, entre. Voilà. Je vais me taper un bonbon spray à la fraîche, je te jure. C'est les petits sprays à la fraise que t'achètes dans les boulangeries que t'achetais autrefois en 2014, 2013, je sais plus. Ouais, c'est des bonbons en forme de spray, c'est archi bon. Allez, j'ai des petits candy hop là. Des petits candy hop. Non, non, attends, 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 attends. Scène. Non, ça faut que je désactive la cam. Ok, ça tourne bien. Oui, alors je vais certainement couper le live parce que, comme je t'ai dit, il y a mon oncle qui va m'appeler tout à l'heure. Tiens, c'est marrant ça, avec le spray, il avait fourni une espèce de lumière rouge. C'est joli. Du coup, voilà. Bon, allez. Go, 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 go. J'espère que mon Gaoli Love est là. Il va certainement me rejoindre sur la FS World. Alors, Oli Love, c'était là. Je suis désolé. Je vais devoir couper la course. Alors surtout, t'inquiète pas si je réponds pas au premier appel que tu me fais. C'est normal, je suis en train de faire une course avec des potes. Voilà. Alors c'est normal si je réponds pas au premier appel directement. C'est normal, je vais juste couper la course et te rappeler. Si je réponds pas à ton appel direct. Ouais, voilà. Je vais les inviter. Tiens, il y a Enam. Il y a Enam. Voilà. J'espère que mon gars il est lavé là. Mon gars il love, mon gars sûr. Mon gars sûr les gars. Mon gars sûr il love. À vrai comme moi. De mon côté, il y a des bugs.
de la dernière fois. Là, on va se faire plaisir, les gars. Yes. Alors, ce qui est bénéfique, c'est que la dernière fois. La route est bloquée, là, pour voir. Faut qu'on l'arrête. Putain. Juste baisser un peu le son pour entendre l'appel de Bruno. Oui, parce que moi, je suis très très proche de ma famille. Très simple dans le temps. Ça. Dégage. Ne vous inquiétez pas, même si je baisse le volume depuis mon ordi, le son restera le même. Le OBS est préconfiguré comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça restera le même. Pas besoin de passer les stimulages. J'allais dire à l'aise, mais non. Alors le violet comme ça sur les pare-chocs, ça fait un peu pimp. Alors de la part de son pote Avalon Fanta, il y a un truc qui m'a un peu vexé de sa part à Fanta. Je lui ai mis mon commentaire d'ailleurs. C'est que en vrai, il a dit encore un autiste qui fait semblant de jouer. Déjà, pour répondre à Fanta, je suis autiste, est-ce que je fais semblant de jouer là? Bah non, non, je joue à NFS War. Désolé. On va jouer à NFS War. Et je joue au clavier, je joue souris clavier. Fais pas semblant de jouer, voilà. Ça, c'est un truc qui a des clichés sur les autistes. Alors, les clichés sur les autistes, ça m'énerve. Parce que les gens parlent, mais ils savent que dalle sur l'autisme, les mecs. Ils savent que dalle. L'autisme. L'autisme, c'est quoi? C'est des troubles de codes sociaux. Parfois, ça peut être des troubles de comportement, ça dépend. Alors, quand on s'énerve, comme Paul l'a dit, on va peut-être être un petit peu plus énervé que les autres. C'est pas pour ça qu'on est fou. C'est pas pour ça qu'on est atteint de maladies incurables, comme le dit Paul. Paul, je veux dire. Voilà. Donc voilà, on n'est pas non plus irratrapable. Et ça, c'est un truc qui m'énerve, parce que les gens parlent. Ouais, l'autisme. Mais en vrai, les gens savent que dalle. Donc quand c'est comme ça, bah, qu'ils ferment leur gueule, je vous le dire. De le dire, c'est comme ça qu'ils ferment leur gueule. Parce que moi, j'en fais partie des autistes. J'en fais partie. Alors, tu vois, l'autisme, c'est un peu, pour être franc, la maladie incomprise dans le monde des neurotypiques. Il y a peu de gens qui sont instruits sur l'autisme. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui connaissent réellement l'autisme. La maladie de l'autisme est compris comme un handicap mental, alors que non. En fait, c'est pas vraiment un symptôme. Non, enfin, c'est pas vraiment une un diagnostic. On appelle ça une pathologie. Et c'est pas un diagnostic. Et diagnostic, c'est genre maladie Gilles de la Tourette, bipolarité, ça c'est des diagnostics. Il a passé le barrage, il roule toujours.
Donc voilà. Alors donc, moi j'en souffre parce qu'au quotidien, ceux de ma ville, concrètement, c'est des bouffons. Voilà, je tiens à le dire. C'est des bouffons. Parce qu'ils disent ouais, ouais, Joey l'autiste. Attends, Joey l'autiste, il a une chaîne Twitch, il a une chaîne YouTube, il s'est monté des vidéos, il s'est mixé sur des platines, tiens. Hein, pour te dire. Il a un boulot, il sait jouer au badminton. Comme quoi que nous, les autistes, je veux dire, excusez-moi, les autistes, on n'est pas si atteint que ça, quoi, tu vois. Voilà. Alors, les mecs, avant de parler de l'autisme, renseignez-vous sur Wikipédia, sur Internet, renseignez-vous comme vous pouvez. Mais parlez pas sans savoir, parce que ça, c'est un truc qui m'énerve. Parce que l'autisme, c'est... En vrai, les autistes développent super motor course. Les autistes développent des très grosses capacités dans des domaines que même les NT seront incapables de comprendre. Moi, mettons, toi, je parle de termes informatiques à ma mère. Attendez, vous permettez 2 secondes. Salut mon pote, bonjour, ça va? Je suis désolé, en fait, tout à l'heure tu m'as appelé, j'étais en train de manger, j'ai pas entendu ton appel. Et là, je t'avais coupé 2 fois, parce que j'étais en train de parler avec mes parents sur WhatsApp. Donc ton appel il rentre et je rejette parce que j'étais en train de faire plein de conversations. Donc on se rappelle après, je suis désolé mon pote. Sinon, ça va, et j'ai vu tes vidéos, car ton problème, je me dis en fait. Attendez. Bah oui, t'as vu, je suis équipé, hein. Bref, dis-moi dans combien de temps je peux t'appeler. Bref, du coup, voilà, bon bah bon appétit, du coup. Bon appétit. Voilà. Oui, je sais, je suis un fondu du Candy Up, je sais. La prise de sang, je vous jure. Attendez. C'est bon, je peux vous appeler? Non. Je voulais faire... J'espère qu'ils sont disponibles.
Bon bah je pense que c'est mort. Je mange mon café et je bois. Qu'est-ce qui branle? D'accord, Enam, d'accord. Jojo et Multi, d'accord, oui. It's good. Unité 59. Central, je viens de repérer un individu suspect. Sans doute un Oléo. C'est une dernière course, après je dois appeler mon oncle. Mais promis, genre soit mardi. Soit mardi, soit un week-end, on se fera ça tranquille les amis. C'est bizarre que moi et mon oncle on a un travail. Puis en plus j'ai une collègue qui est archi adorable. Elle est très très patiente avec moi. Et adorable. Et la pauvre, je la plains parce que ça fait deux jours que je devais travailler. Et la pauvre, elle était toute seule. Donc tu vois, c'est. Je la plains. Le suspect vient de démolir une voiture civile. Envoyez les urgences. Ah, j'étais vraiment pas dans mon état normal, j'étais malade. Je toussais, j'avais mal à la gorge. Quand je touche, j'ai la moitié des glaires dans la gorge. Alors vous, ça va être simple, voilà. Du coup, je disais, oui, alors du coup, voilà, j'ai un travail. Et la pauvre, j'ai une collègue qui était en mode ouais bah Jojo tu peux venir, ce sera cool, et puis bah, si t'es un peu malade tu feras ton riz. Mais je vois le médecin que c'est chiant, encore mal bien sûr, mais le médecin que mercredi je pense. Enfin, si j'ai encore mal, bien sûr.
chiant quoi, parce que... Attention, j'ai fait ma quarantaine de visite de 3 jours, tu vois. Et puis bah, il y a encore des restes quoi, tu vois. Là, tu vois, je fais même plus la différence entre le coéquipier et les flics, tu vois. Même plus la différence. Bon, vous... Merde. Merde. Tu vois ce que j'en fais de ton barrage, mec. Comment tu vas approcher? Tu commences à me saouler, mec. Bien, bien, t'es mal. Allez, mange-toi ça. Les 67 déployés sur votre côté droit, je répète côté droit. Spécial. Et on est là, hein? Paf. Bon. Tout le monde peut ralentir, le suspect a été arrêté. 50 000 bénéfiques. Attends. Wait, I call my uncle. Wait, wait, I call my uncle. Je vais essayer sur celui-là, mon oncle.
de couper le micro parce que j'ai pas envie qu'on entende ma conversation. Il répond, bordel. Écoutez, je pense qu'on va rater le live, ça fait déjà beaucoup de temps je crois. Déjà combien de temps qu'on live là? Ça fait 30 minutes. Écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter. I'm excited. Comment dis-je des choses à faire? Attends. Traducteur Google. J'ai des choses à faire. Sing to do. I have sing to do. I'm excited. Attends, je regroupe le micro deux secondes. Tes amis, je pense que c'est pas à peine d'insister tout le temps. On va quitter le live.
C'était Jargos, n'hésite pas à liker, t'abonner, lâcher un com, ça fait toujours plaisir, voilà. C'était Jargos. Je te dis ciao et à la prochaine. Ciao. Let's go, my girls!